Je suis apicultrice dans le Vaucluse. Avec mon mari Philippe, on conduit 400 ruches en agriculture biologique. Nous sommes installés depuis à peu près, pour lui, une vingtaine d'années et pour moi depuis 8 ans. On a décidé de faire l'accueil parce qu'on a été sollicité au tout début par des classes. Et donc, on a vu que c'était intéressant de présenter notre métier dans les classes. Et donc, on a eu l'idée de faire venir les enfants à la ferme. Les enseignants et les enfants étaient ravis de découvrir le monde des abeilles, de découvrir l'extraction du miel, d'aller jusqu'à la dégustation du miel. Ils ont pu découvrir un lieu, une ferme, avec ses animaux, avec ses cultures, et de voir où on vivait et comment on vivait. Faire partie d'un réseau, c'est faire partie d'une dynamique collective. C'est-à-dire qu'entre agricultrices, avec des animateurs, on arrive à échanger et à produire des outils ou à produire des projets collectifs qu'on va pouvoir porter auprès de différentes structures.